Chères concitoyennes, chers concitoyens, je veux avant tout vous souhaiter, de la part du conseil municipal de la ville d'Elne, une bonne année 2022 pour vous, pour vos familles, pour vos êtres chers. Je vous souhaite les meilleures choses, l'amour, la fraternité, la solidarité, la tolérance, la santé. 2021 a été une année difficile. Nous vivons sous le régime de la Covid et nous n'en sommes pas sortis. Cela veut dire restrictions, contraintes, gestes barrières, jauges, des mots qui ne sont pas familiers à l'être humain libre. Et pourtant, nous avons dû nous y habituer. Nous le faisons pour protéger ce que nous avons de plus cher. Les plus jeunes d'abord dans les écoles et puis les aînés dans les EHPAD. Et aussi chacune et chacun d'entre nous. J'ai une pensée aussi pour tous les gens qui ont été malades en 2021, tous les êtres qui ont disparu, les gens de nos familles qui sont décédés. Mais nous avons fait tous les efforts qu'il fallait pour que la ville soit dynamique, pour que les gens aient envie de rire, de s'amuser, et notamment les enfants, par exemple, pour la Sainte-Eulalie, où nous avons mis les manèges sur la place, nous avons fait revenir les manèges sur la place, et ça a créé du bonheur. On a aussi fait ressortir nos géants. On les a fait danser sur la place avec la Coye Gigantère, qui est bien identifiée à la ville aujourd'hui et qui marque bien notre catalanité, ce qui est un axe fort de cette équipe municipale aussi. Les gens ont pu rire, ont pu s'amuser malgré les menaces qui pesaient, profiter. On a pu reprendre espoir et l'espoir, c'est quelque chose de très important. Sans espérance, on ne peut pas vivre et nous, notre équipe avec vous, nous voulons générer de l'espoir. Nous sommes élus depuis 2020. Nous avons créé le centre municipal de santé qui fonctionne depuis le 6 avril 2021. Il y a aujourd'hui 5 médecins. Nous sommes particulièrement fiers de cette réalisation parce que je crois qu'elle correspond aux besoins de la population en matière de santé. Il y a de moins en moins de médecins libéraux et malheureusement, en 2021, nous avons perdu un médecin libéral qui est décédé de la Covid. Et donc, il a fallu trouver une solution, une réponse aux craintes, aux besoins, aux angoisses de certaines personnes qui se trouvent aujourd'hui sans médecin. Mais ce centre municipal de santé correspond aussi à un souhait d'une profession qui se renouvelle, qui se féminise. Et donc, je dirais que depuis que nous sommes élus, c'est notre plus belle réalisation. Nous avons aussi remis en route des pistes cyclables le long du boulevard Jacques-Albert, c'est-à-dire l'ancienne route d'Alenia, pour que les enfants puissent aller au collège à bicyclette, à pied, sans être inquiétés par les automobilistes, mais aussi pour que les gens puissent marcher pour aller faire leurs courses, pour aller se promener, pour rejoindre le bassin d'orage et le parcours de santé. Nous avons aussi commencé à réaménager, à réinvestir le site de l'ancien collège qui s'appelle aujourd'hui Espace Salitard. Très prochainement, nous inaugurerons le Pitch One, qui est en fait un terrain de jeu multisport pour les adolescents et les plus jeunes. Nous attaquerons ensuite le Pump Track. C'est un peu un nom barbare, mais c'est aussi une réalisation qui permet aux jeunes de faire des sports bicyclette, skate, etc. Ça, ce sont des réalisations dont nous sommes fiers et qui augure de nouvelles réalisations pour 2022. En 2022, nous voulons mettre en marche le projet de la piscine municipale. Vous savez qu'elle a été fermée, sans raison je crois, et en tout cas de manière injuste. Il y a eu une grosse pétition pour la réouverture, plus de 1000 personnes ont signé, et nous nous proposons de la réouvrir en juin 2023. Pour cela, il faut lancer toutes les études, et c'est ce que nous allons faire. Nous allons aussi restaurer ce que nous appelons la maison du souffleur de verre à la Ville Haute. Ça, c'est une petite surprise à laquelle nous n'étions pas préparés. Vous savez que cette maison, elle est posée sur un rempart. Et cette maison du souffleur de verre repose sur une tour du rempart qui elle-même est affaiblie.
mais nous avons décidé à la fois de réparer ce rempart et à la fois de permettre aux souffleurs de verre, il n'y en a pas tellement en France, hein, il y en a je crois 80, de rester dans notre commune. C'est une dépense que nous n'avions pas prévue, mais que nous allons réaliser parce que nous pensons que notre ville haute et notre ville tout court le méritent. Notre programme repose sur trois axes. La démocratie participative, le respect de l'environnement et le vivre ensemble. Toutes nos actions vont en ce sens. Il y a des décisions que nous avons prises qui sont conformes à notre programme. C'est par exemple l'extinction de l'éclairage public. Je sais que beaucoup de monde s'interroge, mais nous ne pouvons pas compter que sur les autres pour sauver la planète. Nous ne pouvons pas compter que sur les autres pour protéger l'avenir de nos enfants. Nous devons aussi compter sur nous. Couper l'éclairage public à 11h du soir et le remettre à 6h du matin, il y a moins de délits, il y a moins d'incivilités et ça fait beaucoup de bien à la planète. C'est la raison essentielle qui a motivé cette décision. Certes, il y a des économies aussi. Je crois qu'elles sont de l'ordre de 70 000 euros par an. Je préfère mettre 70 000 euros dans les écoles que de les mettre dans l'énergie. Le 12 février prochain, avec Hermeline Malherbe, présidente du département, qui a largement financé ces équipements, nous allons inaugurer le Pitch One. C'est un samedi matin à 10h30. Et ensuite, nous partirons de ce Pitch One à bicyclette. Nous emprunterons la piste cyclable que nous avons faite pour atterrir à côté du nouveau collège, à l'aire de covoiturage et de pique-nique que nous avons fait avec le département. Le département a investi dans cette aire de covoiturage et nous lui avons demandé d'y ajouter une aire de pique-nique parce que je crois que la ville en a besoin. Nous en avons une qui est très fréquentée, il en faut une autre et puis aussi ça peut servir aux automobilistes pour se reposer. Donc cette aire de covoiturage qui va aussi dans le sens du développement durable et cette aire de parking, nous l'inaugurerons, il y aura une prise de parole et un apéritif qui seront faits autour de midi à l'aire de covoiturage. Je vous invite à y participer. Voilà un petit peu le tour d'horizon que je pouvais tracer pour ce début d'année 2022. Je sais que l'heure n'est pas toujours à la gaieté, mais il faut avoir espoir. L'espoir, c'est notre moteur. Il faut que vous participiez avec nous à changer cette ville, à la rendre meilleure. Nous avons plein d'idées et nous vous avons, vous, citoyennes et citoyens libériens, pour nous faire avancer, pour construire avec nous, pour comprendre notre politique, pour comprendre ce que nous mettons en place. Nous comptons sur vous, je compte sur vous. Participez, venez, aidez-nous à construire cette ville. Et encore une fois, je vous souhaite une bonne année 2022.